Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre groupe. Aujourd'hui, nous allons étudier une des auteures qui a le plus compté au XXe siècle. Il s'agit d'Hannah Arendt et de son ouvrage La crise de la culture, publié en 1961. C'est un ouvrage à connaître pour préparer les concours de la fonction publique, notamment quand il s'agit du thème de l'éducation qui tombe assez souvent dans la plupart donc, des épreuves. Pour commencer brièvement sur les éléments biographiques à retenir, Hannah Arendt est allemande, naturalisée américaine. Elle suit ses études auprès d'Husserl, de Jaspers, Heidegger en philosophie et en théologie. Elle fuit ensuite l'Allemagne nazie en 1933, se réfugiant en France, avant de rejoindre les États-Unis où elle est naturalisée 10 ans plus tard, lors de la débâcle de 1940. La crise de la culture sont donc 8 essais publiés en 1961. Ils consistent tous en un développement personnel des concepts modernes de liberté, d'histoire, d'autorité et d'éducation, le tout ayant pour but d'apprendre comment penser le XXe siècle. Elle développe la thèse d'une crise de la culture à considérer à l'aune de la rupture avec la tradition de pensée politique qui a fondé la civilisation européenne. Tantôt puisant dans la pensée grecque, tantôt dans la pensée moderne, elle part de la citation de René Char « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament » qui met en évidence le vide que laisse la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, les arguments du livre doivent être considérés dans leur contexte. La guerre du Vietnam, le refus du prix Nobel de Jean-Paul Sartre en 1964, la révolution culturelle chinoise, etc. Je vais donc détailler avec vous les 8 thèmes de l'auteur, le premier étant la tradition et l'âge moderne. Par tradition, Hannah Arendt entend des cadres de référence et des repères qui ont exercé une influence sur la civilisation européenne. Or, selon elle, cette civilisation est en crise. Elle met en évidence les rapports conflictuels entre culture ancienne et culture moderne. Arendt considère que la pensée traditionnelle est remise en cause avec le développement de la science et l'apparition du doute cartésien méthodique. Quand l'homme doute, ce qui était déjà établi dans le passé perd de sa force. Le deuxième argument est le concept d'histoire. L'auteur confronte histoire antique et histoire moderne pour souligner un changement de paradigme. Je m'explique, pour elle, l'histoire antique prône une forte distinction entre les hommes mortels et la nature immortelle, représentée par exemple par les dieux. Les Grecs s'attachaient ainsi à figer les actions des hommes justement parce qu'ils sont mortels, et ce, afin que ses actions ne tombent pas dans l'oubli. A contrario, dans sa vision de l'histoire moderne, l'homme dépasse cette complexité de la nature, notamment avec la science. Dès lors, l'homme s'intéresse à lui-même, c'est ainsi d'ailleurs que naissent les sciences sociales, et que l'histoire devient un processus fait par l'homme et non subi par l'homme. C'est grâce à cette dichotomie qu'elle démontre une crise de la modernité. Par manque de connaissances, les hommes sont en carence de repères et ne savent plus d'où ils sont issus. Dans un troisième thème, Arendt tente de définir l'autorité. D'abord, elle souhaite distinguer l'autorité elle-même, qui se fonde sur le respect et le consentement, de la domination, qui implique un rapport de force et donc la violence. Elle attache la notion d'autorité aux valeurs antiques, à la tradition. Et selon elle, la modernité a altéré l'autorité, sans forcément s'y opposer d'ailleurs, et ce, en introduisant le concept de liberté. Ainsi, l'autorité moderne, c'est la conservation des libertés dans un cadre défini d'obéissance. Et on peut constater l'apparition de régimes politiques construits sur cette tension entre autorité et liberté, comme par exemple le libéralisme ou le conservatisme. Ensuite, le quatrième essai s'attache à une définition plus précise de la liberté. Il y aurait donc 2 types de liberté. Celle du libre arbitre, de la volonté intérieure, et celle de l'action extérieure. Il faut comprendre que pour Arendt, être libre, c'est agir. Elle revendique donc la 2e forme de liberté, celle de l'action extérieure, en s'opposant aux anciens, comme Aristote, dont elle considère la conception de liberté, faire ce qu'on désire, comme un asservissement à soi-même.
La liberté totale est possible tant que l'action est contenue. Et dans le domaine politique, la liberté s'oppose donc à la tyrannie. Un régime d'État, dit-elle, où il n'y a pas de communication entre les citoyens, est tyrannique. Je passe assez rapidement le cinquième essai qui introduit véritablement la notion d'éducation, un domaine en crise selon Arendt, à cause de trois facteurs. D'abord, considérer l'enfance comme un environnement à part entière, coupé du monde adulte. Ensuite, la crise de l'enseignement. Les professeurs accordent davantage d'importance à la pédagogie au détriment de la matière enseignée. Et enfin, la substitution de la notion de faire à celle d'apprendre. Agir n'est pas s'instruire, selon Arendt. Vulgairement, c'est une manière de dire que tout est trop théorique à l'école. La sixième partie est la plus importante, car c'est là que le livre prend tout son sens. Il s'agit de la crise de la culture. Arendt insiste sur l'idée que la massification de la société rompt avec la tradition, en s'érigeant en société de consommation. La culture est donc réduite, selon elle, à un objet de consommation, utilisé à des fins personnelles. La grande notion de l'ouvrage est donc celle de philistinisme cultivé. On utilise la culture comme moyen d'acquérir une meilleure position sociale. Nous rejetons la culture dans une société de masse, on lui préfère les loisirs. Ce qui donne une portée politique à l'argument. Arendt rappelle la phrase de Kant, « Le goût est la capacité de juger ». Aussi, l'homme cultivé, l'homme de goût, n'est donc pas celui qui paraît s'intéresser à l'art en tant qu'objet ou comme savoir, mais c'est celui dont l'esprit est libre et qui fait preuve de discernement. Le livre s'achève avec deux petits chapitres, un sur la vérité en politique et l'autre sur la conquête de l'espace et sa dimension humaine. Elle identifie les rapports conflictuels entre vérité et politique. Il y aurait deux sortes de vérité, la vérité de fait d'une part, et la vérité de raison d'autre part. La politique transforme le fait en opinion, et dès lors, elle a recours à la persuasion qui la détourne de la vérité. La politique devient alors, je cite, « le champ d'expression du mensonge ». On comprend, pour conclure, une sorte de retour aux anciens chez Arendt, dans le sens où, après avoir eu l'homme pour objet d'étude, on le considère à nouveau comme simple partie du cosmos, en s'interrogeant sur sa place dans le monde. Arendt rejette l'idée d'accroître la grandeur de l'homme dans la conquête de l'espace, en développant l'idée que la science contemporaine n'est plus d'ordonner et de donner un sens à l'univers comme pour les anciens, mais qu'il s'agit de dépasser les apparences et de découvrir ce qu'elle cache en se cultivant. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo consacrée à Hannah Arendt. Je vous renvoie à deux articles importants donc dans le descriptif de la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode et à la prochaine fois.